Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, c'est Woty 955, on est de retour. Et oui, sur du CD Tonight. Et oui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Avec mon ami Seb, comment ça va? Salut, ça va? Ça m'avait pas manqué le jeu. Ouais, bah je sais, il est chiant, tout ça parce qu'il m'oblige de jouer ce jeu, c'est chiant, c'est incroyable. Et puis aujourd'hui, j'ai deux nouveaux invités, parce que ça, là ça va être cool, on n'est pas que tous les deux, Seb, hein, ouais. Pour dire, hein, on a notre cher Titou Nini avec nous, comment ça va? Ah bah si, et toi? Ça va, tranquillement, ça va, mais t'es parti où? T'es parti dans la maison? Non, je suis décédé. Non. Oh, ça va être long de les ramener à la maison. Ah oui, il est mort, effectivement. Et les mecs! Oh putain, oui. Oh putain. Ça commence bien, les gars! Il est décédé! On est dans la merde! Heureusement que je suis mort pas tous les 5 minutes, hein, parce que putain. C'est une vidéo. Bon, c'est pas grave, en tout cas, il y a une quatrième personne, les amis. Il fallait que je la présente en direct. Vraiment. Un mec, c'est pas je la présente. J'ai pas dit je la présente. Si, t'as dit je la présente. La personne, tu vois, la personne. Je présente la personne, tu vois. Et oui. C'est Homer Simpson, les amis. Oh, pardon. Comment? Non, c'est Homer. Rectifie-toi, là, subitement, là. C'est Homer, les amis. Homer, comment ça va? Bah, ça va. Ça va. Bon, oui, écoute, ça va. Toi aussi, t'es très, 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 très loin, hein. Ces petits points jaunes que vous pouvez apercevoir au-dessus de mon E, hein. Il est tout petit. Alors, je sais pas... Moti, je suis devant toi et pourquoi t'es en feu? T'es en mode... Ah, t'es plus en feu. T'étais en mode Super Saiyan, là. Ouais, c'est normal. Je suis sans beaucoup du connais. Ouais, bah oui. Oui, ça serait pas mal, faut que j'aille récupérer mon sac. Mais au moment où vous allez mourir, vous posez votre lit, tu vois. Ça vous permet de pas repartir ailleurs. Ça serait mieux, tu vois. Et vous reprenez votre lit, mais il faut toujours penser à reprendre votre lit, et vous avancez tout le temps. Une fois que vous êtes arrivé de plus en plus près de notre maison, vous allez pouvoir mettre votre lit dans notre maison. C'est ça qui est pas mal. Moti? Il est 18h30, ouais. Il est 18h30, va falloir se manier le cul là. Nous on va se rentrer. Nous on va rentrer, on va les attendre là-bas. Parce que là on. Bah on n'a pas le choix, on va se faire niquer sinon. Oh bah chacun sa merde. Voilà, c'est ça. C'est ça, chacun sa merde. C'est exactement ça. Ou au pire, on les attend dans une maison là. Hein. Bah après, si, comme tu dis, vous êtes loin, si tu nous attends dans une maison banale que dans ta maison, ils vont vite péter ta maison. Ouais. Je crois que je me fais attaquer, ou ça, je suis pas capuche. On va retourner à notre maison, parce que ça se trouve, il y a des petites choses à faire en plus, tu vois, des petits trucs. T'as repris ton sac, Seb? Oui, aïe, aïe. Oh oui. Là, j'étais en mode Carl Lewis cette fois, pour aller le récupérer. Bon. Écoute, moi je te suis, hein. Bah écoute, on va aller... Ah, un cactus, putain, ils font mal les cactus, hein, ces putains de cactus. J'ai quand même perdu... Oh là, oh, ça arrive vite, là.
les zombies. Ouais, pourquoi tu les esquives. Tu les esquives et logiquement ça devrait le faire. Ah oui, moi je m'emmerde pas avec eux. Ah bah y'a Titounini qui arrive, qui est près de nous. Près de nous. Le jaune, ouais. Le jaune que si c'est le jaune, non, mais le bleu, le jaune, il est. Non, en fait, on a chacun nos couleurs différentes, en fait. Voilà. Et moi, je franchement. C'est Tito Didi. T'inquiète pas, j'ai déjà mon lit à la main. Voilà. Et dès que vous voyez que vous allez mourir, vous posez votre lit direct. Ouais, comme faut ça, le poser. Ça vous permet de pas repartir à. Perpète les oies, tu vois. Depuis tout à l'heure, je me prends des putains de capsules dans la gueule. Super. Ouais, ouais. Pas de cadeau. Ça arrive assez régulièrement. C'est con. Ma capuche. Et ça sert à rien en plus. Ouais, ça sert à rien. Si, on récupère de la nourriture dessus. Hein. Bah, pas dans ceux-là. Si. Ah, si, peut-être, ouais. Ouais. Je sais plus si c'est les cactus ou non, c'est les cactus que tu peux. Non, c'est les. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des trucs effectivement que tu peux récupérer à manger. Enfin, c'est plutôt à voir, c'est pas du. C'est désaltéré. Ouais, il est 19h. Ah non, il est 20h. Je suis toujours pas arrivé. La nuit tombe à partir de 22h, les gars, pour info, si vous voulez vraiment rentrer, c'est 22h. Je suis à 500 mètres de Anthony et à 1 km de vous. Ah, bon, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Sauf si tu crèves entre temps. Ouais, mais pars pas la poche. Alors, bah, Anthony, il est pas loin derrière nous. Ouais, non, mais Anthony, ouais. Pas remis très loin, il est... C'est bon, j'ai été récupérer mon sac à dos, moi. Ouais, bah Anthony, au pire, attends-moi là où t'es, parce que moi, j'arrive. Ouais, bah il est... Il y a plein de zombies. Bon, bah, que m'attends pas, alors. Voilà, nous, on arrive, ne m'attends pas si tu es entouré de zombies. Oui, on arrive à la... Vas-y, je suis un bonhomme. Eh, faut pas oublier, c'est qu'il n'y a plus les cubes pour rentrer dans la maison. Ah si, je les ai remis. Ah, tu les as remis. Ouais. Ah, voilà notre petite maison. Dans la prairie. Elle est là. Elle est belle. Ah, elle est très très belle. Elle est belle, la papaye. Elle est belle, la papaye, là. Attends, je vais chasser un cerf. Ah. Bon courage. T'as vu, les zombies, ils sont morts. Sur la palissade. C'est bah Moti, ça serait bien que tu les butes avant qu'on arrive pour éviter qu'on crève. Ah non, mais ils sont déjà morts. Bah écoute, moi je vais monter en haut, hein. Parce que monter en bas c'est compliqué, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Franchement. Ah bah, j'arrivais pas à monter parce qu'en fait t'étais devant moi. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ça passe pas à deux. Voilà. Ouais, là, on est bien en hauteur, les amis. On aime bien, c'est la dernière construction qu'on s'est faite la dernière fois avant de se quitter. C'était notre petit estrade. Notre petite estrade en hauteur, notre petite terrasse en hauteur. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ah, je vois... Je vois qu'il y a un jaune pas loin. Il y a un icône jaune pas loin. Et il y a un truc rouge à côté du truc. Enfin, plus loin que le truc jaune. Je vois pas le point bleu, comment ça se fait. Ouais, moi non plus. Moi, ça me fait un truc jaune, moi. Je suis à côté de toi, gros. Alors, du coup, je sais pas qui c'est. Ah, il est à. Vous êtes à côté de l'un de l'autre, les gars. Ouais, ça y est, on s'est rejoint. Okay. Moi je suis pas loin, je suis dans un endroit où il y a plein de maisons, mais le problème est que je suis déjà détecté. Hey, bah ça va qu'il est à côté de toi le zombie. Ah non, c'est toi. Ah oui, mais... je suis chassé. Bah oui, moi aussi.
C'est pour ça que je cours. Ah, vous êtes à 500 mètres de nous. Ouais. Les mecs, venez, hein. Une fois que même si vous êtes chassés, c'est pas grave. Hein. Nous, on va s'en occuper au pire. De toute façon, ouais, au côté, vous les laissez. Hein. C'est gentil. Ouais, de rien, au plaisir. Y'a pas de quoi, voyons. Bon, les gars, par contre, là, on vous prête notre demeure pour cette nuit, mais après, vous vous démerdez. Hein. Bah oui, de toute façon, bah, moi, comme j'ai dit hier à Moti, je pique les murs et je les remets à côté. Ah oui, t'as... Ouais, c'est bien ça. Mais bon, si tu fais ça, je joue plus. Hein. Parce que je vais faire que de crever, vu que c'est pas moi qui construis. Ah, ça s'approche, 300 mètres. On va les voir arriver là, à mon avis. On va prendre l'arc pour leur tirer dessus. Ah, bah c'est des. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est des zombies. Hein. On les considère comme des zombies, voilà. On les savate à peine arrivés. La nuit est arrivée. Du coup, je vais récupérer un des sacs à E2, parce que vu que j'ai plus mon truc de base. Bah, je vais le récupérer du coup. Ah, tu peux toujours récupérer le mien, hein. J'ai que mon lit de couchage. Hein. En fait, il est comme moi, il a plus son premier sac. Voilà. Et moi non plus, j'ai plus rien. J'ai juste des cailloux, j'ai des couronnes, j'ai tout en fait. Alors, en plus, j'ai un os pété, c'est super. Deux. Ah. Bah, je crois que j'ai même pas d'attelle pour toi. Ah mais c'est pas grave, je vais poser mon lit dans ta maison et je vais sauter devant toi. On va prendre la vieille astuce. Voilà. Ah, en fait, votre lit, posez-le tout en haut de la maison, en fait. Ah, je crois que je vois votre maison. Oui, je la vois, effectivement. Il y a même une torche tout en haut de la maison. Ah non, c'est quelqu'un qui est en feu. Ouais, attends, je tire sur quelqu'un, là. Comment pour entrer dans votre merde? Tu fais le tour et tu vas voir, il y a un passage. Par contre, Moti, n'oublie pas d'enlever les... Demi-tour, il va se faire tuer par les pics. Monte sur le truc là, vas-y. Et tu vas tout droit. Et après, bah tu... Ah putain, je brûle. Ouais, bah t'es... Ah oui, tu brûles, me colle pas, dégage, va crever dans ton coin. Il y a la torche humaine là qui vient de descendre. L'échelle est ici. Hein. Tu montes là. Ah, parce que là on voit... ah ouais, là il y a une échelle. Là il y a un petit trou là dans le mur. Voilà, bienvenue. Bonjour. Oh, tu montes là, le feignant. Ah, j'essaye. Je vais monter. Allez, vas-y, bah tu montes, espèce de fainéant là. On voit rien. C'est quoi ces hommes de Cro-Magnon là? Eh, jette pas ta torche, toi là-haut. Mais c'est un vrai tube, c'est de... Voilà, Omer est ici. Ça, moi... Oh, putain, Omer, il a maigri. Il a maigri, moi. Sérieux, c'est ça votre maison là? Ouais. Quoi, bien. Quoi, y'a un souci? Ouais, autant que je mette mon sac de couchage en bas parce que là j'arrive pas à monter. Bah elle est pourrie votre maison, nous on a une maison. Bon, je vais pas me péter les couilles, je vais mettre mon sac de couchage en bas, hein les gars. Ah c'est bon, moi je l'ai mis en haut. Bon bah écoute, il dort en bas. Ouais. Ouais. Je vais mettre des bottes. Tiens, il tire une flèche. Je peux pas monter. Pourquoi vous avez pas mis de torche? Viens, ici, viens ici, voilà. Ah Moti, pourquoi vous avez pas mis de torche? Oh, parce qu'on vit dans le noir, nous. Non, mais en fait, nous, on voit très très bien la nuit parce qu'on a modifié dans les paramètres du jeu la luminosité. Eh, il fait ta gueule, lui, ou quoi? Eh, commande. C'est où la luminosité? Non, mais en fait, tu peux le faire que quand t'es pas dans partie. En fait, ouais. C'est dans. Ouais, ouais. C'est bon, dans... et moi, ça me casse les couilles, j'arrive pas à grimper là-haut. Là. Ah, ouais, ça y est! Youpi, je suis là-haut! Ça va, Rabucho?
Hey, bonjour, je fais les présentations, hein. Bonjour. Oui. Il est où l'autre? Okay. Bonjour. Bah, je me présente, je m'appelle Henri. Un jour, j'aimerais bien réussir ma vie. Hein. Ok, bon, bah voilà. Nous sommes tous ensemble, enfin. C'était la vidéo, le défi se réunir. Ils ont posé leur lit, là, c'est bon. Ah bah ouais. Ah, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai pas envie de recommencer. Moi, je vais pas me faire chier mon lit. Moi, mon lit, il est tout en haut. Il y en a un déjà qui fouille dans mes cartes, je crois. C'est moi. Non, en fait, je regarde ce que vous avez dans les coffres. D'ailleurs, vous avez pas grand chose. Hein. Et on commence, hein. Regarde, jour 17 quand même. Il y a pas grand chose. Bon, je te montre une autre base que j'ai faite qui est beaucoup plus avancée, mais là, on va le faire tranquillement. On va s'agrandir. On va faire un bon coup encore. C'est-à-dire on va faire encore des immeubles à côté, on va faire des maisons. Regarde. Bâtard. Il y en a un qui a piqué toute votre bouffe, hein. Je dis ça, j'ai rien. Quoi? C'est bon, je vous l'ai remis. Oh le mytho. J'ai oublié ce que t'as piqué là. Non, j'ai tout remis. Il a qu'à regarder, tu verras. Oh, faut déjà savoir ce qu'on avait. Ah bah bon, si vous savez pas ce que vous avez, moi je vais piquer des armes. Hein. Oh, c'est bon, en fait. Y a des vêtements. Pas mal, on va piquer des vêtements. Et il est où Et c'est où pour sortir en bas? Non, la trappe elle est fermée là. Ah, vous êtes sérieux? Hop, allez, tu peux l'ouvrir. Elle est où la trappe? Non, mais attends, je la referme. Comme ça, tu peux plus sortir. Elle est là. Comme ça, tu peux plus nous voler les trucs. Voilà, merci, c'est bon, je m'en vais. Hein. On aurait dû mettre un code. Ouais, on aurait dû mettre un code. Ça, au moins, il s'échappe pas d'ici. Ah, d'accord. Ah, d'accord, vous avez même fait un étage sur le toit. Ok. Moi, c'est pas tout, mais je vais à la chasse, les gars. C'est quoi celui qui est superposé? C'est le mien. Il dort dans les airs, lui. Il dort en méditation. Ouais. Eh, hey, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez un nid d'oiseau en bas de chez vous. Ouais, mais généralement, c'est soit qu'on les a pris, soit qu'ils ont été... Il y en a un qui vient de tomber, là. Oui, c'est moi, j'ai fait exprès de tomber. Ah, d'accord. Voilà. Je regarde les pièges que vous avez posés. Bon, les amis, on va se retrouver tout de suite après, une fois passée la journée. Hein, c'est mieux, une fois passée la nuit, je veux dire. Et les gars, effectivement, ils nous avaient rejoint une fois que j'avais arrêté. Mais, on a passé une bonne nuit. Hein. Par contre, je vais me soigner parce que du coup, je me suis fait très très mal. Impeccable. Et puis je vais remettre mes trucs, mes soins. Et puis là, on va aller chercher du bois. On va continuer à construire. C'est une flèche à me donner, je vais aller chercher du bois. Ah non, mais il se démerde. Oh putain, je me fais attaquer. T'as qu'à pas t'éloigner de la maison. Cassé mon arc. C'est normal. Je vais aller un peu plus loin, et puis je vais le réparer, tout simplement. Ils sont nerveux, hein. Là, il y a... Deux... Oh non, j'ai tué le gros, voyez. T'es moitié, je te ramène un zombie. Ah, c'est gentil. Fais gaffe, il est en face de toi. Ouais, je sais, je l'ai vu.
Tu l'as tué? Ouais, c'est bon. Il a rien. Il y a une petite maison, une petite maisonnette en face. Logiquement, là, on a dû déjà la fouiller. C'est pas grave. Putain, ça, ça me pousse. Je vais recycler celle-là. Bah, je vous ai tué les zombies qui restaient en bas de chez vous. Ah, c'est gentil, merci. Infiniment. Hé, hey, Kiki, viens voir. Pourquoi ? Il y a une petite maisonnette là. Je vais faire les bases. Oh putain. Mais alors, on s'en fout, on l'a déjà fait. Attends, je te rejoins. Oh, t'y a pas de lumière, y'a rien. Hein. Ah, au début, on avait pas de lumière non plus. Elle était déjà éclairée. Donc. Ah. Munition, arme, outil, pièce. Ouais. Et où ma petite hache en pierre? Ah, mais tu veux faire qu'on fasse quoi? Tu veux encore créer une maison entière? Je sais pas ce qu'il veut faire exactement. Qui? Bah, toi, Jam. Non, je parlais à Anthony. Ah! Anthony, tu veux faire quoi? Ça sert à rien qu'on construise un truc sur cette manche là. Autant donner un coup de main à ton oncle. À Moti. C'est beau. Bah après s'ils veulent qu'on vive avec eux on peut. Bah après moi je m'occupe de vous améliorer la maison. Après on peut vous refaire la maison avec vous. Bah ouais, c'est pas plus mal, comme ça on peut l'agrandir, tout ça, c'est mieux à 4. Ouais. Ok. Et comme ça évitera de se piquer des ressources. On va faire une tranchée, ça vous va? Ouais. Comme à la guerre. Non mais après, si tu l'as fait... Non mais après, moi, mon erreur, c'est que je t'ai fait près de la maison. Si tu l'as fait plus loin que la maison, c'est bon. Faut que tu la fasses... Bah, tu vois ton muret, tu vois ta maison, t'as fait un muret autour. Faut que tu la fasses autour de ton muret. Moi, l'erreur, c'est que je l'ai fait autour de la maison. Je l'ai fait coller à la maison. Si tu l'as fait plus loin, c'est bon. Tu fais une poche à me prêter. Après, tu mets des pièges en dessous. Ouais, les gars. Putain, il est encore là. Il y en a dans les caisses, dans la baraque, là, j'en ai pas sur moi. Il est là, le zombie grimpeur. Moi, je récupère des... Moi, je récupère du caillou, du bois. Enfin, je cherche pas, il y a vraiment une lampe de poche, je cherche une lumière en feu, là. T'as une torche? J'ai une torche. J'en ai pas. Putain. Personne en a. Et il a dit que ça, l'a fini, hein. Je te jure. Bon, c'est pas grave. Il faut de la matière grasse et pour le moment, j'en ai pas et eux, je crois qu'ils n'en ont pas. Après, fouille les cadavres qu'il y a autour de la maison. S'il en reste, parce que j'en ai déjà fouillé, moi. Et vous bougez pour prendre mon arbre? Ouais. Regarde, je tape ton arbre. Il y a 50 000 arbres. Ta gueule, là. Non, là, c'est toi que je vais prendre. Aïe, hop. Ça va plus vite à deux. Ah oui, ça va plus vite. Nous, ce qu'il nous fallait la dernière fois qu'on s'est arrêté, c'est surtout des plans pour pouvoir construire des trucs, des motos, des machins et autres. Ouais, mais ça y est, du coup, il faut bouger de là, quoi. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un colis qui est arrivé. Il est tout petit en jaune. Ouais, il est tout petit, mais ouais, il est tout petit. On va le laisser ce qu'il est.
Quoi que tu le récupères pas, tu sais qu'on n'aura pas d'autres. Si. Si, t'en as d'autres qui arrivent en même temps. Ah bon ? Ouais. On va prendre un autre médoc. Bon. Ah. Bon, moi, les amis, je vais essayer de fouiller un petit peu la zone, voir ce qui peut être sympa. Des maisons, si je peux avoir des petits plans. Après, une fois que vous serez bien équipé, vous pourrez vraiment buter vos zombies facile. Vous pourrez aller dans les maisons là où il y avait la ville. Hein. C'est là où tu récupères les plans et tout. Ouais, bah ouais, logiquement. Ouais. Et du coup, moi je suis quand même, tu vois, même sans. Tu vas aller visiter, c'est ça? Pour info, j'ai mis sur la carte un endroit pour une grotte. En fait, il y a une grotte à un endroit et il y a des champignons, ça peut être utile pour le manger. On peut faire pas mal de choses avec. Une omelette aux champignons. Ouais, voilà, une omelette aux champignons. Qui ragoûte des légumes. Des champignons. Ouais. Non, ça peut être sympa, ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, une petite maison. Je vais fouiller cette maison, là. Infirmière coquine est ici. Elle est présente. Je vais faire le carnivore, en tout cas, je vous le dis. Moi je suis avec Homer, je suis en train de faire des ressources. Et il y a encore un zombie là. Encore ? Bah attends, j'ai un arc. Ah oui. Il s'est débloqué. Fais gaffe, moi j'ai l'arc, t'emmerdes pas lui. Voilà, ça va être. Moi aussi. J'aime bien, voyez. Voilà. Avec une flèche. J'entends un zombie, mais je sais pas ce qu'il est. J'ai toujours pas de quoi faire une torche. Ah bonjour, bonjour madame. Allez, ici madame. Mais vos petits piquets ils servent pas à grand chose en fait. Faut que je le répare. Madame est morte. Bon, il n'y a plus qu'à fouiller les meubles, le frigo et tout le reste. Hein. Ouais, bon, ah! Merci. Je suis en train de me faire savate. Je suis en train de me faire savate alors que j'étais. Bon, tout le bas il t'a amélioré dans votre maison. Hein. D'accord. Ah, je viens de me faire savate. Qui est à côté de moi là. C'est qui est en train de te faire un zombie là? Oh, moi j'ai failli crever là. Ces zombies quand même. Hein. Je prends même comme ça, tranquillement, comme si il n'y avait personne, tu vois. Je sais même pas où est-ce qu'il est, celui qui m'a savate là. Oh, je suis tombé sur un livre. Livre des pistolets. Impeccable. Je vais le lire, les gars. Non, mais après, si tu l'as déjà lu, faut pas le relire. En fait, tu les revends et tu peux acheter d'autres trucs. Il y a une boutique dans le jeu, je sais pas si tu sais. Non, je ne savais pas. Il y a une boutique dans le jeu. En fait, tous les objets que tu as, tu peux les vendre et tu... En acheter. Tu peux en acheter. Mais il faut la trouver. On l'avait trouvé avec Anthony. Et j'avoue qu'il y a pas mal de trucs. Et l'avantage, c'est que quand tu vas chez lui, si tu as besoin de lumière, tu es servi. Parce qu'en fait, les lumières, tu les payes pas. Tu lui piques. Tu lui dis rien. Avec Antonio, on lui a piqué pas mal de trucs.
je savais même pas qu'il y avait une boutique. Ouais, moi non plus. Bah, tu sais quand même, tu sais que tu peux améliorer tes compétences. Ouais, ça oui. Et bah, si tu vas dans les compétences, et bah, t'as un endroit où c'est écrit troc. Attends, je vais regarder. Attends, je vais essayer de retrouver. Tire, non, cinglé, arme. Est-ce que je l'avais vu ce truc? Voilà, c'est là. Canage. Chasseur de trésors. Déjà, chasseur de trésors, il faut que tu l'améliores en premier. Chasseur de trésors. Ouais, parce que du coup, si tu trouves une carte au trésor, et ben ça limite le terrain de recherche. Il est moins grand. D'accord. Et dites la fusée, grâce à cet avantage. Moi, je vais chercher le colis là, les gars. Régation de cartouche. Ah oui, mais par contre, j'ai plus de. Pas sur la palette, toi. Attends, Tony, je vais voir si ton oncle n'a pas de la matière grasse pour faire des torches. Ça serait bien qu'on en éclaire. On va montrer ce qu'on sait faire. Surtout qu'eux, ils ont pas mal de trucs, ils ont déjà le four, mais ils sont pas aussi loin que nous en fait. Atelier de chimie. Parce que vous avez le four et tout, mais vous êtes pas aussi loin que nous en vérité. Hein. Je dirais même qu'on est beaucoup plus loin que vous. On a commencé tranquillement, tu vois. Et puis on fait notre truc. Petit à petit. Glanage, c'est quoi ça? Glanage. Composition de l'établi. Si. Soyez le maître de la débrouille. Appuyez plus rapidement et obtenez le pourcentage de chance plus élevé de remporter un bulletin. Intéressant. Un homme de qualité. Chasseur de trésors, c'est ce qu'il me disait, effectivement. Hein. Anthony? Eux, ils ont pas le même truc que nous. Bah nous, il nous faut de la graisse animale pour les torches. Eux, il lui faut de la suif. De quoi? Suif. De la suif. Fabrication plus rapide. Oh, votre maison elle est améliorée de A à Z. Oh putain. Ah ouais, nous on fait pas les choses à moitié. Ouais, je vois ça. Moi je vais au colis, donc j'espère que je vais pas me faire savate. Fabrication. Ça c'est surtout pour les armes. Le chameau. Putain, le problème c'est qu'il faut des 10 points. Alors, sais-tu comment tu gagnes les points de compétence, Kevin? Au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Et on passe en niveau. Les points de compétence, plus tu utilises tout ce que tu fais dans le jeu, et ben ça te fait gagner des points de compétence. Ouais, mais après, tes compétences, elles s'améliorent tout seul à la longue du jeu. T'as pas besoin de les améliorer toi-même, j'ai remarqué ça aussi. Ouais. Ouais, ils s'améliorent tout seul. Parce qu'il... Il y a quoi en bas? Vous n'avez pas de ressources nécessaires. Eh, ouais, ça j'avoue, c'est chelou quand même. Pourquoi qu'on peut pas faire de torches avec la graisse animale? Parce que sur ma partie avec moi et Anthony, c'est de la graisse d'animal qu'il faut. Et vous, c'est pas la même chose. Putain, je vais te sauter. Putain, je vais me niquer la jambe. Bon, moi, je suis dans le village là qui est pas très loin. Écoute, je suis pas loin de toi en fait. Hein, du coup, je vais venir te rejoindre. Ah oui, t'es pas loin, ouais. En fait, il y a un petit problème là. Vous revenez dans la maison ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Près de 14 zombies. Il y a beaucoup de zombies devant votre maison là, subitement. C'est vrai?
Bah ouais, bah, ça serait peut-être pas que vous revenez en fait. Et il y en a un qui a réussi à passer parce que le machin n'est pas enlevé. En fait, il y en a un d'enlevé sur les deux. Ouais, ouais bah il est pas. Il y en a un qui a réussi à passer, il est en train de déglinguer votre port. Oh, putain. Et moi j'ai pas ce qu'il faut pour le buter. Attends, je vais au colis là. Je vais au colis, je suis à côté. Vas-y, de toute façon moi je prends le colis et je rentre. Donc Eh, si tu dis, je vais y arriver. Bon bah moi je te prends une arme. Hein. Pas vraiment le choix là. L'arme redoutable, c'est l'arc. Il n'y a rien de mieux. Ouais, parce que c'est t'es discret avec ça. J'ai pas ce qu'il faut pour m'en faire une, en fait. Excuse-moi si j'améliore ta maison. Putain, je vais me casser la gueule, je vais me péter un os. Bon, allez. Ça, c'est toujours pour moi. Les flèches. Ça me fait plaisir. J'arrive tout doucement, hein. J'ai un os de pété. Hein. Ah bah je vais te doubler alors. J'ai eu le temps d'aller chercher le machin. Là. Et là je rentre. Et si je me démerde bien, j'ai même le temps de... Ah tiens, je vais lire les schémas, tac. C'est pas grave, ça. Un morceau de tissu et du bois. Et est-ce que j'ai du tissu? Ouais, j'ai ça. Impeccable! Je vais fabriquer une attelle. Ah, c'est éteint autour de la maison, ils ont fait des putains de tranchées dans le village. Impeccable, voilà, ça y est, je me suis réparé tout seul. Oui, t'es revenu au village, enfin à la maison? Comme ça? Non, là, j'y vais là. Ok. Ouf. Il a du mal. Oui, j'ai eu un lag, un petit lag, tranquillement mais sûrement. Mais il y en a de plus en plus qui arrivent. Hein. Putain, je vais me repéter la gueule. Oh là 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 là. C'est un truc de dingue quand même. Les gars, vous faites quoi là? On est en train de. Ils sont tous en train de rentrer là. On arrive. Je suis là. Je suis juste là. Je vais vous voir. Ouais, je suis un peu plus loin. Attends, j'arrive en bas, Anthony. Je savais pas qu'ils étaient rentrés. Non mais moi je me suis pas fait chier, j'ai cassé le truc qu'ils avaient installé. Okay. Essaye de décaler pour que je te donne un coup de main à les taper. Décale-toi. C'est ça. C'est ça. Je vais remettre après. Mais Mochi va finir par mourir s'il reste au bord. Hop. Première cooking. J'arrive, hein, c'est parce que je suis en train de monter le truc, ça a deux temps. Puis j'ai plus d'endurance là. Sont les zombies. C'est bon, hein, il n'y en a plus. D'accord, bon, bah, le temps que j'arrive, il les a butés.
nain là. T'as vu quoi? Il y a un zombie, je l'entends là. Ouais, il est là. Mais il est coincé. D'accord. Allez, on va le buter. Ouais. Juste éclate, il se prend pour. Comment ça s'appelle la... celle-là qui joue avec Clark, là, dans les One Disney? Ah oui, La meuf là! Ah, rebelle! Voilà. C'est rebelle ce mec! Ah, rebelle! Pourquoi il n'y a plus de. Truc ici? Je suis sur le point de crever, mais plus du tout. Ça, parce que Mochi était parti faire du shopping, il nous a laissé tout seul à la maison. Ouais, je suis ouf. Lire. Voilà. Un schéma de tronçonneuse, mon pote. Bon, je sais ce que je vais faire pour vous aider. C'est plus gentil. J'ai des œufs là. Il faut que je les fasse cuire. Putain, j'ai pris les œufs. Je sais pas. C'est clair. Ah, c'est Anthony qui a oublié de les remettre quand il les a pris tout à l'heure. Ah ouais, exact. Oh, mais bon, après, c'est pas grave. Si vous restez avec nous dans la même partie... Ah bah attends, ouais, on s'en fout. Ouais. Je pense que c'est toi qui as fait la maison. Ouais. Ouais. Tu répares un truc, j'ai cassé un truc. Ouais. C'est où? Ouais, il a juste enlevé le petit truc qui était, tu sais, pour éviter que les zombies rentrent, là. Viens là, gars, j'ai retiré le truc. Ouais, j'ai vu. Mais t'aurais pu le remettre, t'as du bois pour le refaire en forêt. Moi, j'en ai eu. Et la nourriture, c'est où? C'est ici? Ouais, c'est bon, je t'ai rangé les œufs, gros. Recyclé. Moi j'ai des antidotes. Là, je vais mettre les flèches aussi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, c'est tout nouveau. Les pièces électroniques avant, il n'y avait pas dans le jeu. Ok. Tableau. Ouais, c'est un tableau. Vous savez à quoi ça sert avec crotte d'humain? Non. Non plus. Il paraît que c'est pour camoufler son odeur et de ne pas faire en fonction que les zombies ne vous attaquent pas. Et je sais pas comment ça se passe. Morceau de plastique, alors ça c'est pareil, c'est tout nouveau. Attends, il est caché avec des crottes d'humain. Ouais. Ah. Ouais, il paraît. Je vois bien Moti avec de la crotte sur le visage, c'est bien. Morceau de charbon, il y en a dans cette boîte-là. Là. Ça, c'est les fringues. Je vais la mettre dedans. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Morceau de tissu impeccable. Morceau de charbon. Par contre, après, faites gaffe quand vous allez rentrer dans la maison, je vais vous mettre des pièges. Ah. Ouais, c'est marrant. Je vais vous en mettre pas mal, je vais vous en faire plein. Tranquille. Hop. Allez, c'est pas mal. Et je vais essayer de construire aussi la moto un de ces jours. Ça peut être sympa. D'ailleurs, je vais essayer de la construire maintenant. C'est bien ça. Je vais essayer de construire la moto. Euh...
Hop, là je viens de faire un sacré tri. Qui c'est qui a du bois les gars? Moi? Ouais. Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai pas. Tu sais qu'on fait un double mode? Non. Non, on va. Hein? T'es où toi? Je suis au milieu de la baraque. Tu veux que je te mette du bois dans la caisse par terre à côté des escaliers? Ouais. Mochi, essaye de trouver de quoi te faire des torches. Merde, j'ai tout mis dans le truc. Oh putain, la bite. Ah non, j'ai tout pris. Attends, je vais te dire ce qui te manque. En fait, t'as tout sauf un truc. Mais après, le problème, c'est que nous, on n'a pas eu besoin de ça. C'est de la suif. Et moi et Anthony, ils nous ont demandé de la peau de. Enfin, de la graisse animale pour les torches. Avec du tissu. Et toi, ils te demandent pas la même chose que nous. Tu sais comment ça se fait la suie? C'est avec la graisse animale. Bah ouais, mais tu l'as fait comment? Attends, fait parce que je repose tous les trucs, parce qu'en fait, comme un con, j'ai tout pris ce qui était dedans. Vas-y, vas-y. Là, je suis encore en train d'installer des pièges et tout, en fait. Ah, tu l'as fait fondre, GG? Je me rappelle plus. Nous on n'a pas eu besoin de ça, ils nous ont demandé juste la graisse d'animal directement. Ouais, mais je me rappelle plus du tout. Alors attends, je sais plus comment on l'a fait. Tu l'as mis en mode difficile ta partie? Non. Du tout. T'as vu des torches, on en a je sais pas combien, hein, peut-être une cinquantaine. Ouais, mais même moi, sur l'autre, j'ai. Sur l'autre partie, j'ai un rétroprojecteur directement, tu vois, ça éclate tout. Je l'ai mis sur le toit, et ça envoie de la lumière jusqu'à je sais pas où. Alors, ça c'est bon, donc maintenant on tac. Ça dégage aussi, tac. Voilà, maintenant ça. Comment qu'on faisait, Jérém, pour séparer une partie quand tu veux pas tout prendre de ton inventaire? Quand tu veux pas tout. Alors attends. Si je veux poser du bois dans la caisse, mais je veux pas tout prendre. Tu fais ta rêve? Ah ouais, exact. C'est bon, Anthony, c'est dedans. C'est le premier carré en haut. Ouais, ça y est. Si t'en veux plus, il m'en reste encore un peu. Voilà, pour ça, je vais faire ça. Après, j'ai peur de remettre la barrique, parce que là, elle est détruite. Enfin, ils ont détruit tous les bâtards. Ben voilà, rien. Quand tu prends la graisse animale, ils te le disent. Sur les trucs, quand. Suis. Voilà, graisse animale, moi je vais mettre. Ah mais là sur le feu de camp, comme ça tu pourras avoir des torches. Tu mets des torches en bas de ta maison, ça te permettrait de voir les zombies qui sont en bas. Ça sera beaucoup mieux pour les viser avec l'arbalète. Enfin, la barlée, j'ai pas compris. Mais attends, parce que j'ai pas tout moi. Il manque. Si, j'ai la grille, j'ai le bêcher, non, c'est bon, j'ai tout. Bah après, des fois, t'as pas besoin de tout. Voilà, je suis en train de te faire de la suite. Ok, bah après, une fois que j'ai fini ce que je te fais des torches. Ouais. Et si tu veux, j'ai des pics en bois. Des pièges en bois. Ouais, des pièges. Ouais, t'es en train de les faire, toi? Je suis en train de les faire. Je suis en train de barricader la baraque. Moi, je prends du bois, des cailloux, et après, je vous les mets dans les trucs. Ouais, c'est cool qu'il n'y a pas Davy, hein. Parce que Davy, lui, il a... Je vais aller chercher.
chez moi, lui. La dernière fois, il a joué, il nous a ramené plus de 20 000 de bois. Ah bah là, je vous fais le bois si vous voulez. Encore 3. T'as beaucoup de bois, toi, Anthony? C'est pas tout, mais il est un peu 21h là. Oh là, faut rentrer là. Moi je, ouais. Je me taille là. J'ai entendu la petite musique là. Ouais, mais moi je viens de la voir la petite heure là, 21h qui dit oh, on va peut-être rentrer là quand même, hein. C'est pas. Ouais. C'est pas que j'ai envie de mourir, mais... Ah, par contre, si t'avances pas, moi, je vais mourir. Ah, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a plus la rempart pour sauter. Donc, ah, mais tu cours et tu sautes. Ah non, après, tu galères. Vas-y, parce qu'après, je l'enlève et les autres... Enlève-la, si tu veux. Tu l'as enlevé, là? Non, mais j'attends, parce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer. Non, mais moi, c'est bon. Impeccable. Bon, ça y est, la suite, c'est terminé. Je te la mets où, Kev? Voilà, j'ai mis un pied. Ça, c'est je te le mets dans les matériaux, ok? Ouais, non, mais attends, j'arrive en haut, de toute façon. Ça éviterait qu'on utilise les torches, parce que les torches, ça ne sert à rien. Quoi? Hop! Bah, je savais que t'allais tomber dedans. Tu l'as mis où, GG? Je te l'ai mis dans les matériaux, là. Dans la boîte avec un marteau vert. Là, normalement, j'ai su faire les temps. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc, je vais chercher. Ah, il me faut du tissu. Où est-ce que j'ai mis le tissu tout à l'heure? J'en avais. Je vais essayer de fabriquer. Okay. C'est pas là. Il faut oula 200 de fer et 20 d'argile. Ils sont en train de cuisiner des œufs durs. 200... Oh putain, c'est qui a le fer, les gars? Vous avez pris tout le fer ou il y a plus de fer? Je sais pas, moi j'en ai pas pris, mais je peux t'en mettre, j'en ai un petit peu sur moi. Ouais, j'en ai 13. Et tu vas dans le four, il y a du fer, tu peux le faire toi-même. Ah oui, il est peut-être déjà dedans. On a 402 dans le four. Mais par contre, il faut que tu le consommes. Dans le feu, il y a 3 œufs durs qui vont se faire, si vous voulez en prendre un. Ouais, il fait de la bouffe, il est gentil. T'as vu, il nous nourrit. Ouais, vous êtes 3, il y a un œuf dur chacun. Moi, comme je suis un crevard... Moi, comme je suis un crevard, bah, du coup, j'en ai pris 2, tu vois. L'enfoiré. Voilà, on voit un petit peu mieux là-haut, déjà. Enculer, ah, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Là, on va te faire enculer, Kevin. Des flèches, j'en ai pas besoin. Pourquoi il est mort? Grèce animale, je te l'apprends parce qu'on l'a fait fondre dans le feu. Oui, casse-toi de mon sac. Non, mais lui en fait, c'est un enculé parce qu'il vole tout. Donc, je peux pas les... Voilà, c'est pour ça, on peut pas. Y... Alors, j'ai pas lu le bouquin, donc du coup. Fais gaffe, tu reprends feu. Anthony, tu reprends feu. Quelqu'un aurait lu le bouquin de la moto? Non, personne. Alors là, je sais même pas en fait. Oti, tu l'as mis dans le feu, la graisse d'animal? La graisse d'animal, ouais, je l'ai mis dans le feu de camp pour... Tu fais comment en fait pour la mettre? Si, tu... En fait, la graisse animale, tu la mets dans le feu.
Et après, tu la fabriques, t'allumes le feu et ils te disent tu vas dans nourriture, logiquement. Attends, mais ouais, je la mets dans le feu, mais je la mets comment dans le feu? Ah ouais, en bas à gauche, non? Non, tu la gardes dans tes trucs. Et ils vont te dire tu vas sur fuite et après t'additionnes avec ta flèche bleue. Combien t'en veux? Ah ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Bon, bah ça c'est bon. Ça c'est bon. On est en pleine nuit, les amis. Je pense que. Je pense qu'on va s'arrêter. On n'a pas beaucoup avancé, mais ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement, et puis la prochaine fois, les amis, ça va être la grande vidéo tant attendue avec Titou Nini, hein, mon cher Titou, t'es là? Ouais, je suis là. Ok, tu vois, qu'est-ce que je veux dire comme quand je dis c'est la prochaine fois, c'est cette vidéo-là. Et le meilleur coach. Voilà, exactement, c'est le meilleur coach. Les amis, ça va être très bientôt ça. À partir de la semaine prochaine, on commence. On va essayer de se faire ça. Ça va être long, ça va être très long. Donc, on va essayer de se faire ça, et puis logiquement, ça devrait le faire. Les amis, je vous dis à très bientôt, bye bye, et je vous dis à très bientôt, bye bye. Merci à vous les gars, ciao. Ah, ciao. Ciao. Ciao.